Fabriquer des savons, c'est mon métier. C'est rapidement devenu une évidence grâce à de nombreuses rencontres et grâce à des signes, un cheminement vers l'épanouissement. J'ai exercé plusieurs métiers et j'ai longtemps travaillé dans l'industrie automobile. Mon job me plaisait, mais j'aspirais vraiment à produire un travail en adéquation avec certaines de mes valeurs, comme la protection de l'environnement, l'écologie. Mais comment apporter ma pierre à l'édifice ? Tardivement, j'ai repris des études dans la gestion de l'eau et j'ai pu mettre à profit cette formation lors d'un séjour à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. J'y suis resté une petite année où j'y ai fait des rencontres absolument exceptionnelles. J'y ai vécu des instants magiques et la cerise sur le gâteau, ou la pierre à l'édifice, c'est que c'est aussi là-bas que j'ai découvert ce fabuleux métier de savonnier. Rencontre, signe, la connexion est faite. Je sais ce que je vais faire de mes mains. Je suis donc rentré en France avec comme projet d'ouvrir une savonnerie artisanale dans mon village d'enfance, Orchez, sur la commune de Valencis, dans le Loir-et-Cher. À Orchez, mes cousins possèdent un chalet en bois dans la forêt et je fais l'acquisition du lieu pour y installer ma savonnerie. Le chalet, au doux nom de Verdurette, retrouve une nouvelle vocation. D'ailleurs, il prêtera son nom à l'un de mes savons. Le nom de mon entreprise sera les Savons de la Cis. Pour le logo, des bulles de savon et une vague, qui représentent les méandres de la rivière. Cette vague, c'est aussi le signe que j'utilisais à la maternelle pour tamponner et signer mes dessins. Marrant. Le métier de savonnier m'apporte beaucoup au quotidien. J'ai toujours été féru de science et je kiffe le côté petit chimiste de la profession lorsque je conçois ou lorsque je fabrique mes savons. Être quotidiennement dans ma savonnerie, c'est aussi un éveil d'essence. Le toucher, sentir le surgras hydratant de la matière et la sensation à même la peau lors de l'utilisation du savon. La vue. Découvrir ce que donnent les marbrages et c'est de la coloration par les différentes argiles et les poudres lors du découpage des pains de savon. Et bien sûr, l'odorat, avec toutes ces senteurs plus odorantes les unes que les autres. Fabriquer des savons selon la méthode de la saponification à froid, c'est aussi aider et accompagner la peau des clients. Nos peaux sont devenues très sèches et sensibles, pas aidées par les produits industriels. Finalement, je travaille en participant à la protection de l'environnement. La saponification à froid me permet d'utiliser des ingrédients nobles issus de l'agriculture biologique. Il n'y a pas de rejet polluant, pas d'emballage plastique. Être savonnier, c'est mon métier. Chaque jour, je me régale de produire mes savons de manière artisanale et simple, dans cette région si chère à mon cœur, la vallée de la Cisse.